Regardez, c'est pas du tout comme. De ma légion de morts. J'ai eu les visions. Les êtres Aikai vont régner ici. Je vous écraserai. Oh. Ah, c'est la base. Ah, c'est la grosse daube. Ah, c'est le monde final. Ah, vous le sentez là. Là, va y avoir le boss. Ah, va y avoir le boss. Ah, on le sent bien, regardez bien, je zoome à fond. Il y a une porte. S'il y a une porte, ça veut dire que c'est la base. Ok, il y a plusieurs chemins, celle-là encore plus. Je dirais qu'il faut aller à gauche. Hein, mon instinct me dit que la gauche, voilà, il faut que j'encercle tout le monde. Et j'y vais. Ah, il y a un sac. Il y a un sac. Un drop peut-être. Un indice. Ok, il y a de l'or. C'était à moitié utile. Faut faire plein de save. Ok, il y en a un, il m'a vu, c'est une ghoul. Ah, c'est une ghoul. Ah, ça va le faire. Ah, ça, ah, c'est la base. C'est la base, il y a un zombie qui se ramène. Un zombie faible, encore heureux. Il y a deux zombies faibles qui se ramènent. Ah là là, ah là là, je suis malade. Ah, je suis malade, là, ça va le faire. Ah là, c'est mal parti. Le combat commence mal. Le combat dégénère face à une ghoul. Regarde bien, je suis complètement malade. Il y a un salaud qui m'a étourdi. Il y a un salaud qui m'a étourdi. Là, ça c'est foutu. Là, ma barre de vie est complètement marron, marron. C'est la couleur du caca, évidemment. Marron aussi, que ça veut dire que j'ai la diarrhée. Je parie que c'est la diarrhée. Va falloir que je me repose pour me soigner. Que toute cette diarrhée passe. Se finisse. Il y a des salles sur les côtés, ok. Ok, donc les salles sur les côtés. On fait la salle de fin là. Et je pense que ça ira. Je pense que vous êtes chaud, je pense que vous êtes d'accord. Il y a plein de cadavres. Il y a plein de cadavres, c'est un cimetière. Il y a au moins 5 cadavres. Ou des carreaux de foudre, je m'empressais de les vendre. 2 pièces d'or, il est à moitié riche. Un anneau de cyan, donc de cyan, je pense que ça met de la lumière, exactement. Des flèches vampiriques. C'est génial. Un troisième cadavre. Ok, c'est un Tetris. Et là, on va se soigner parce que j'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée, c'est de la merde. Et j'ai toujours la diarrhée. Ah, c'est de la grosse daube. C'est un et puis en plus j'ai un appel. Ah, c'est dommage. C'était le schnaps, je suis de retour. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai dû bien mettre 10 minutes. Bon, bah 10 minutes en moins sur le temps total du jeu. Je suis toujours malade. Ça, c'est génial. Donc, la pause repos. Parce que il faut bien que. Bah. Mon sac est trop lourd. Voilà. À le porter. Voilà, voilà. Je suis redescendu à combien? À 66 kilos que je peux transporter. Je vais mettre ça en kilos PO. Voilà. Je vais pas inventer. Voilà. Et là, je suis descendu à 60. 60. C'est de la merde. Ah, c'est de la grosse merde. Je mets plus de flèches. Je mets bien plus de place. Je mets des flèches. Et, ah, voilà. Ouais, il faut que je sois à 18 en vigueur. Et là, je suis que à 11. C'est la base. Ou alors, il faut que je me soigne. Je suis descendu à 20. Non, les... Saloperie. Ah, je te voyais, j'étais à 16. Hein.
J'étais à 16 et là je suis descendu à combien? Faites-vous paris! Faites-vous paris! Je suis descendu à 20. Moi je suis bloqué à 20, ça doit être ça. Ah ouais, là c'est, j'ai ma bière qui recommence à monter. Alors attention, 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 attention. C'est un échec. Ah, c'est un échec cuisant. Ah, c'est n'importe quoi. On va save. Bon, je... Autant vous dire que je vais pas aller loin. Regardez ça. Incroyable la scène à laquelle nous assistons. Non, c'est n'importe quoi. Alors, c'est soit je vais voir quelqu'un pour qu'il m'enlève cette maladie, soit je vais me faire foutre. Ah, je pense que je vais me faire foutre. Ah, mais dites-le sincèrement. Ah, dites-le, sinon je vous en fous une. Ah non, je vais devoir m'en soigner. Ah, je suis obligé. La grosse ellipse. Alors j'interromps cette petite ellipse dans laquelle je suis revenu. Alors en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, lorsque j'ai été interrompu par un appel, j'ai fait plein de repos pour annuler ma maladie, ça n'a pas marché, donc du coup je suis revenu, je suis soigné, j'ai vendu des trucs. Et voilà ce personnage qui m'a donné une quête. Voilà. Donc j'ai tout ça. Enfin, techniquement, non, pas tout ça. J'ai ça, le grand herbe, alors, Nistar, druide, blablabla. Voilà, c'est une quête annexe, hein. Donc, tranquille. Quête achevée. Ah oui, plein de quêtes achevées, hein, voilà, trop de quêtes, même. Donc, du coup, il m'a donné des objets magiques. Pas la bonne touche, voilà. On s'en fout de ce que t'as vu, toi. Il m'a donc donné un double de la clé du zoo, un fétiche adorateur et un document officiel. Non, mais j'avais déjà ça. Ah, je ne sais plus. Bref, ce sera plus tard. Oui, donc il m'a donné une quête. Je la ferai un jour. Donc du coup, je vous retrouve. Attention, 3, 2, 1, dans le quartier de mendiant. Allez, tout de suite. Et de retour au dédale de l'année, hein, où je vais continuer à gauche pour visiter les salles. Ah, c'est chiant. Ah, les ellipses, c'est chiant, hein, je vous le dis. Ah, je crois que je vais perdre au moins 10 minutes. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est la technique de... C'est la sauvegarde du lâche. Non, c'est que à chaque fois que je me ferai abandonner, eh ben... je lancerai une sauvegarde, enfin un chargement rapide. Bref, je ne veux pas me faire empoisonner, surtout que mes jets de vigueur, c'est de la merde. Un jet de vigueur inutile. Un bonus de constitution, ah oui, alors j'en ai pas parlé, j'ai un bonus de constitution qui représente ma vie, dû à ceci, à ces bottes des 7 le plus 1 qui m'ajoute plus 1 en constitution. Mais faudrait qu'en intelligence et en sagesse je me ramène tout à zéro. Voilà. Bon. On va aller dans la salle. Que le sol vous engloutisse. Voilà, on va surtout tuer les zombies. La salle qui était ouverte. Évidemment. Allez les zombies, tu meurs. Les zombies ne meurent pas. Ok, c'est parti pour le combat de l'infini. Ah, c'est un combat fini. Ah, je vous le dis. Ah, je le sens, je sens que des gens vont se ramener. Les gens vont se ramener, je le sens. Personne, dans ce cas, on enchaîne, on est fous. Voilà, je le savais, ça pue le piège. Ça pue tellement le piège. Zombie faible, facile. Voilà. C'était easy. Easy peasy. Ah, pas de drop. Ah, c'est dommage. Alors, cadavre. Une potion de bénédiction. Ça, c'est intéressant. Une aiguette de feu. Faudrait que je sache un jour à quoi ça sert. Une potion. Ah, ça, c'est utile. Un grenat. J'ai pas reçu... Si, la potion, je l'ai pris. J'ai pris la potion.
On est reparti dans le couloir de la mort. On va essayer de crocheter la serrure. On va essayer d'ouvrir la porte. Ok, la salle est longue. Il y a un zombie. Il va me parler. Alors, soit je peux sauver ce zombie, soit c'est la baise. On va lui parler. Fléau vous affaiblit tandis qu'il renforce mon armée. C'est une vraie bénédiction. Vous ne pouvez imaginer à quel point. Ok, donc je peux pas les sauver. Ouh, une potion de ruse de renard. Ça, c'est une grosse potion. Des carreaux. Et des PO. Et une personne qui me parle. Tu me parles. Verrouillé. Un mécanisme sans doute étranger, pénétrant, doit se cacher. Oh, on s'en fout. On les verrouille. Je suis un fou. Voilà. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. La métaphore. Ah 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 ah. Ok, donc tu vas mourir. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Un coussin, un coffre. Un livre, ouh, là il y a du dossier. Je sens le dossier énorme. On va regarder ça. On va le lire même. Alors attention, métal de lecteur, extrême. Comment tu peux me laisser être aussi faible, Cyric? Cette sale Yanti nous a volé notre bien-aimé focaliseur, l'autel que j'avais moi-même fabriqué à la gloire du soleil noir. Et maintenant, elle se sert du pouvoir de cet autel qui t'était consacré pour tuer mes derniers fidèles et les transformer en morts-vivants. Ô prince des mensonges, je dois détruire l'autel avant que son armée ne devienne trop puissante. Comment t'es pu oser l'emporter dans les profondeurs du dédale? Elle gaspille son potentiel sur des victimes du fléau. Je lui arracherai les écailles une à une. Je la... Non. Il ne la violera point. Il n'y a qu'une personne qui doit violer. Et c'est moi. C'est génial. Donc, une Yuanti. Je n'ai pas suivi ce qu'était une Yuanti. Au revoir. Au moins, il a été sympa, il m'a dit au revoir. Cependant, ok. C'est la base. Ah, c'est la base, il y a une goule. Ah, c'est la base. Ah, la goule, je vais pas m'en sortir. À moins d'un gros critique, c'est... Non, ça va pas le faire. Il faut que je batte la goule en premier. Si elle m'empoisonne, eh ben, technique de lâche. Hein, vous la connaissez. La sauvegarde. Ah, je suis malade. Ah, c'est la technique de lâche. C'est parti. On est parti pour la technique de merde. Ah, ça commence. Ah, c'est génial. Ah, j'aime ça. Ah, il y a un zombie qui se met en travers de mon chemin. Ah, c'est la base. Il ne m'a pas vu, il est trop con. C'est parfait. On est parti par la technique de la sauvegarde. La technique de la sauvegarde. Ah, c'est l'incubation qui a commencé. Ah, c'est mort. L'incubation qui commence, c'est la base. C'est à cause de ça que vous êtes malade. On incube une maladie. Oui. Yeah.
Hop là, un petit 8, c'est bon. La goule, le plus gros problème est réglé. Le plus gros problème est réglé. Ce zombie faible est extrêmement lourd. Tu es chiant. Tu es chiant, tu m'énerves. Voilà, meurs, souffre. Allez, on y croit. On ne reprend pas des points de vie. On est gros, on est chaud. Il y a des coffres, il y a du matos. Il y a beaucoup de choses. Il y a un hôtel. Il n'y a pas d'ennemis. C'est génial. J'aime ma boîte. Dédicace à tous les casteurs sur Gaming Live. Fameux, j'aime ma boîte. Ah, ça fait chier. Il est piégé et en plus, il est bien merdique. Ah, j'aime pas ça. Heureusement, j'ai un kit de crochetage plus 1. Voilà. Que le sol vous engloutisse. Piège déclenché. Pff, super. Ah, c'était nul. Ouh, oh, il y a une cape. Oh, il y a une cape du bonheur. Oh, je la prends. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ah, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est belle. Ouh, un journal intime. Intime, oula. Extrait. Je pense que... Ouais. C'est un objet trop précieux. Ok, donc, je la prends. Journal intime. On apprend les choses. Une note qu'on va lire. Cette note est difficile à suivre. Alors, extra, j'ai beaucoup gagné depuis... Ok. On a une clé ancienne. On a un ça. Oh là, on a un contenant. On a un contenant, les mecs, ça ne rigole pas. Point de contenant, moins 20%. Ça va. Ça va, ça peut être intéressant. Moi, je dis... C'est génial. C'est awesome, c'est awful. Il y a un coffre piégé. Deux pièces d'or. C'est la merde. On va désamorcer le piège et on continuera. Ok, on a eu une potion d'invisibilité. Là, on a un coffre verrouillé qui contient des S secrets et tu déverrouilleras l'autre. Ok, il y a un anneau d'argent. Chaque est prêt. Et là, on a une pièce d'or. C'est génial. J'aime ça, c'est la richesse. Les pièces d'or, c'est la richesse. Tout le monde le sait. Et personne n'a dit le contraire. Ok, c'est la baise. Personne m'a... Si, il y a quelqu'un qui m'a vu. Donc là, hop, la magie. La disparition. Et tétanisé, il m'a perdu. J'ai raté de marcher. On rentre. On ferme la porte. Ah, il est tétanisé. Ah, il m'a vu, j'ai arrêté de courir. Il savait plus quoi faire. Là, par contre, il va prendre cher. On n'oublie pas la fameuse technique de la sauvegarde. Il m'a vu. Ok. C'est la merde. C'est la base. Regardez ça, une goule, c'est très moche, c'est très vert. Il m'a raté. Voilà, il est mort. Ah, c'était la goule la plus simple à tuer jusqu'à maintenant. Espérons que les autres soient aussi coopératifs. On prend les sacs, on n'a pas de respect. Ah, vas-y, une améthyste. Oh, les sacs. 8 pièces d'or. Ah, j'aime ça. L'or, la richesse, tout ça. Ah, c'est génial. Allez, hop. Il va ramener ses potes. Et nous, on y va. On est des bourrins. On aime ça. Ah, c'est génial.
Ah, c'est génial. Ah, j'aime ça. Et là, on est furtif. On traverse tout le couloir. Ah, il y a les portes. Il y a les portes, il y a les portes. Ça veut dire que je vais quand même y aller. Ah ouais. Ah ouais, j'ai débloqué un bout, là. Ah, le jeu n'a pas compris. Je vois à travers les murs. C'est génial. J'entends un bruit. Ah, j'aime pas les bruits. J'aime pas les bruits. Là, je sais qu'il y a la porte principale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Allez, vas-y, je vais vous laisser la surprise jusqu'à... Ah, c'était une... Allez, une armure. Ah, on est chaud. Ah, on la sent bien. Ah, la bataille contre l'armure. Ah, ça sent la... Ça sent le petit boss, la technique de la save, la technique de la merde. Allez, ça, oula, c'est une petite armure là, regardez. Déjà sérieusement blessé. Des skills incroyables. Peut-être le moyen de pexer à mort. 40 points d'XP. Ah, c'est génial. C'est génial. Et si j'examine le sarcophage, je vais peut-être pouvoir en ramener un autre. Si on veut pexer dans le jeu, il faut en profiter. Verrouillé. Ah, le sarcophage est verrouillé. Ah, c'est génial. J'aime ça. Crochetage terminé. 42 pièces d'or pour son sang modéré. Ah, c'est... C'est génial, le drop. Un drop magnifique. Peut-être le meilleur drop de tout le jeu. L'armure animée. On aime l'armure animée. C'est notre passe-temps favori. Elle est tellement animée. Elle me met des coups à deux. Regardez-moi ce design incroyable de l'armure. Ah, c'est beau. Ah, j'aime ça. J'aime ça, c'est magnifique. Elle agonise. Voilà, elle est morte. 40 points d'XP, génial. Un drop, lâche un drop. Un drop. Un sort. C'est pas utile. On déverrouille le sarcophage. On va déverrouiller le coffre. Et on ouvre le coffre. 16 pièces d'or, incroyable, super. Un collier. Et une aventurine. C'est pas trop dégueulasse. Allez, on continue. On va voir la porte là. On save, on se met en furtivité. Et on ouvre. Allez, notre armure. Allez, on continue. 4 armures. Un 4 à la suite peut-être. Ah ouais, ce serait génial. Un 10 de dégâts, super. On déverrouille les coffres, comme d'habitude, notre habitude. Regardez ça, décrochetage à 27. Basique, j'ai envie de dire. Deux pièces d'or, c'est génial. Ouh, Delar et guérison. Guérison des maladies, génial. Toutes les maladies et leurs effets sont neutralisés, super. Ah, best sort ever. Meilleur sort du jeu. J'aime ça. Ah, on continue. Ah ouais. 4 à la suite, ah ouais, on aime ça. Ah, génial. J'arrête pas de bailler par contre. Mais je ferai jusqu'au bout. Ok, donc des gantelets. Plein de gantelets. Plein de gantelets. Ah non, c'est bon. Comment ça verrouiller? Comment ça? Il y a eu un échec? Il y a eu un échec, j'ai l'impression. Ah, j'ai envie de dire, il y a eu un échec cuisant.
Ok, vous dites cambrioleur niveau 3. C'est génial. Il y a les gens qui crient, ça l'est moins par contre. On est parti au repos. Pour quelques points de vie. Une dizaine de points de vie. Quand même 41 points de vie, enfin presque 50 points de vie pour là où j'en suis, c'est un petit peu pété.